Voilà mes amis, je reviens pour une dernière fois, une troisième fois donc, hein. C'est long. Hein. Voilà, donc après Michel Sardou, Claude François, j'en reviens aux premiers amours, hein, donc un être caustique, hein, donc, qui dans un film, il a joué l'enseignant. Ouais. Ça a beaucoup marqué ce film. Hein. Il a été qualifié de pédophilie par de jeunes femmes. Hein. Voilà. Et au bout du compte, il savait très bien qu'il n'avait rien fait. Oh. Voilà le risque d'enseignant en fait. Il faut éviter le risque professionnel. Hein. À un moment donné, parce que les mensonges d'adolescents, on les aime, hein, mais à un moment donné, parfois, c'est risqué. Bon. Bon, je ne suis pas là pour polémiquer sur cela. Je fais mon travail de prud'homme, sérieusement. J'ai corrigé. Je sais que j'étais très moyen aujourd'hui. Demain, je vous promets, les élèves, les parents de mon collège, hein, que je vais travailler sérieusement pour corriger toutes les copies. Oui, je vais le faire. Voilà. Ce soir, j'ai bu quelques verres de champagne. D'accord? Donc, Nicolas Feuillatte, pour tout vous dire. Donc, Brel, Brel, pourquoi Brel? Brel, un être un peu caustique parfois, donc par rapport aux femmes notamment. Voilà. Donc après les chansons d'amour que j'ai chantées précédemment, ça s'éloigne. Bon, je m'éloigne de tout ça, vous savez, ne soyez pas en toute tendresse, au premier degré. Les Beauvoir, c'est comme les remparts de Varsovie, ça serait ça une classe de société qui est la high société, vous savez, donc c'est les bourgeois qui nous refusent nos filles, hein. Donc, tout simplement, hein, à nous. Bon, moi je me qualifie d'ouvrier d'éducation nationale, non, pour me donner un air, bon, voilà. Ou alors, dans mon monde plus. On va dire artistique, local, simplement, tout million, tout. Pas très haut, hein. C'est pas niveau national, c'est niveau local. Retenez bien ça. Ben, voilà. Tout simplement, les bourgeois. Les bourgeois, c'est pas nous. C'est pas nous. Hein? C'est comme dans les remparts de Varsovie, c'est la high société. On n'est pas concerné. Donc je m'éloigne, je suis en écart de tout ça. Donc moi, bon, ça parle beaucoup de femmes là aussi. Encore une fois. Si vous voulez être du snobisme, ben, c'est votre problème. Moi, je me considère en tant que tout petit être citoyen, j'habite à Utz, vous savez, je vous chantais cette chanson, hein, qui est les Beauvois de Jacques Brel. Jacques Brel. Hein, Jacques Brel qui disait aussi, par rapport au couple, hein, ce que vous vivez, vous, hein, parce que moi je ne vis plus du tout. Hein, j'ai trois enfants, je vis tout seul, ils sont éloignés de moi, d'accord? Vous le savez maintenant. Eh bien, les femmes, bon, il peut être considéré un peu comme un peu. C'est pas dans la conventionnalité, non conventionnelle. Il disait toujours, les hommes, suivez vos rêves. Mais bon, on peut comprendre ça. Je l'ai vécu aussi. Bon, les femmes, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent une belle maison. Vous construisez la maison à cœur. Puis, 10 ans après, 10 ans après, vous êtes devant la télé, avec un verre de picon, un verre de champagne, quand vous avez plus les moyens, un verre de crémant, quand vous êtes comme moi, classe moyenne, vous savez. Bon, souvent, c'est ça, classe moyenne. Je paye mes dettes, mes rachats de crédit aussi. Et après, il disait quoi? Il disait. Essayez de suivre vos rêves un jour. Donc le rêve, ça peut être d'écrire un livre ou d'autres rêves.
quelqu'un. Mais bon, la femme. Vous construisez une maison, vous êtes dans la télé, vous avez des enfants. Et puis 2 ans après, vous dites, voilà, j'aimerais être pilote d'avion, par exemple. Je ne sais pas, pilote d'avion, ça vient à l'esprit. Moi, je suis un pilote d'avion, je ne suis rien à foutre dans ce temps. Et puis, 2 ans après, on vous interview, et puis on vous dit, alors, qu'en est-il? Et vous vous dites, ben, je suis toujours avec ma femme, toujours avec mon picon et mon champagne, mais dans 2 ans, je serai pilote d'avion. Bon, d'accord. Bien, j'ai pu, je serai des courgettes. D'accord. Bon, moi, je me suis fait un couscous, courgettes, carottes, pommes de terre. On n'est pas dans le rêve, mais moi, je suis tout seul. Donc, Et au bout du compte, son rêve, ben, il s'enfonce, voilà, avec ses enfants qui partiront, donc il se retrouve avec sa chère femme, auquel il a tant donné. Et puis voilà, donc les bourgeois s'éloignent un peu, c'est la société bourgeoise qui refuse ses filles. Bon, allez, vous pensez ce que vous voulez. Bon. Je vais vous la chanter. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova, et moi, qui étais le plus fier, moi je me prenais pour moi, et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des trois faisans, on leur montrait notre cul et notre bonne manière. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. J'oserais pas dire le mot. Vous le direz vous-même. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Yo-Yo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire, et Casanova n'osait pas. Et moi, qui était le plus fier, moi, j'étais presque aussi saoul que moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des trois faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Non, je dirais pas le mot. Plus ça devient. Ouais, plus ça devient. Ouais, plus ça devient, dites-le. Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des trois faisans. Avec maître Chouchou et avec maître Pierre, entre nos terres, on passe le temps. Chouchou parle de Voltaire et Pierre de Casanova. Et moi, qui suis resté le plus fier, moi, je parle encore de moi. Et c'est en sortant de minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs de chez la Montana, de jeunes peines du cul nous montrent leur derrière en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, puis ça devient. Oui! Ah, puis ça devient. Ouais, les amis, mais un peu d'humour. On rigole un peu de tout ça, de tout ce qu'on vit. Voilà, je suis tout seul ce soir, j'ai voulu vous apporter un peu de joie. Bon, ouais, de manière caustique ce soir, une dernière chanson un peu caustique. Après, une chanson d'amour un peu cucul, la praline. Allez, bisous! Allez, bisous, mes amis! Oui.